Allez, c'est parti pour la troisième série. Alors là, cette fois-ci, donc hier, je vous ai fait ça avec le cru transparent. Ouais, le truc transparent. Et je vous avais dit, je vous avais parlé que le rond, je les ai gardés pour faire des embellissements. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc déjà, ceux-là, je vous les mets là. Comme ça, vous verrez que c'est le même papier. Peut-être, Brigitte, que tu descendes. Voilà. Alors, avec le bleu, j'ai fait ces deux-là. Donc j'ai rajouté un autre rond plus grand. Donc, ça fait. Alors, le plus grand, il fait 5 cm. Et le plus petit, donc celui que j'ai fait. Pour couper là, il fait 4 cm. Voilà, donc j'ai coupé ça. Voilà, j'ai fait cela avec les bleus. Donc j'ai collé un bouton avec de la dentelle autour que j'avais fait des boutons altérés. Là, j'ai collé un petit papillon avec des petits mots. Là, avec le vert, donc le vert. Il est où? Voilà, j'ai fait celui-ci. L'autre, on va le faire ensemble. Donc, j'ai fait celui-ci avec le vert. Voilà. Avec celui-ci. Avec celui-là, j'ai fait celui-ci et celui-ci. Voilà. Et puis, celui-ci, j'ai fait celui-là. Et l'autre, on va le faire en vidéo. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, voilà. Alors, pour celui-ci, donc c'est celui-là. Donc, j'ai collé. Ça reste du PQ. Hein. Voilà, ça c'est un truc en relief là. Ah, je cherche mes mots. Ah, c'est le matin. J'ai la tête dans le fion. Oh là 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 là. Avec la plaque, je les ai embossés à froid. Voilà, Brigitte, c'est trop bien. Alors là, j'avais envie de mettre, voilà, un petit nounours comme ceci. Ça, c'est un petit nounours qu'une de copinettes m'avait envoyé, un mini nounours. Et moi, j'ai colorié l'intérieur des oreilles, le petit lapin et le petit nœud en bleu. Donc, je vais le coller ici. Je vais mettre un petit nœud bleu. Donc, Brigitte, alors je ne sais pas si je prends de la colle chaude. Je vais mettre de la colle chaude, mais je suis sceptique que ça tient avec le temps. Voilà, j'ai quand même fait chauffer mon pistolet à colle chaude, mais je suis sceptique du que ça tienne dans le temps. Là, moi, la colle chaude, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi je trouve que ça tient pas. Dans le temps, ça tient pas, ça se décolle. Donc. Mis à part des petites bricoles, mais la colle à bois, je sais que ça se décollera pas. Là, je mets le petit nœud qui va bien. Voilà. Ici, j'ai fait pareil avec du PQ, avec celui-ci. J'ai fait de six jolis mamans. Donc, que je vais coller ici. J'ai ancré les bords en bleu pour aller avec le reste. Ici, je vais coller ça par contre avec de la colle à bois. C'est pour ça qu'on en fait deux ensemble parce que ça va vite. Hein. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes, vous savez où vous allez partir. Donc voilà. Hop. Et voilà. Je le tiens. Et là, on va faire le deuxième. Je le maintiens un peu, histoire que ça tienne. Il veut pas tenir sur. Ah ben non, vous voyez, c'est la deuxième épaisseur du PQ qui se décolle. Ça tient jamais. Hein. Ça tient jamais bien. Des fois, ah, donc je vais le recoller. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà pour le petit nounours. Ensuite, je vais prendre donc celui-ci, donc le deuxième vert. Voilà, celui-là.
Je vais coller. Donc j'ai trouvé cette mini cage à oiseaux en bois que je vais mettre ici. Voilà, donc là je vais mettre de la colle à bois, je préfère parce que c'est du bois et voilà. Hop. Voilà. Je vais le mettre ici, comme ceci. Voilà. Le petit nœud, donc j'ai fait un mini nœud Vichy, un rose Vichy. Oh, en plus, c'est exactement le même rose qu'il y a là-dessus. C'est super. Là, je colle avec la colle à bois. C'est le ruban que j'avais eu sur Temu, je crois. Voilà, et là, je vais coller mon petit mot. Et là, c'est douceur de vivre. Et ouais. Donc voilà, vous voyez, avec trois fois rien, vous pouvez faire des très jolis embellissements. Enfin, des très jolis parce que moi, j'adore, j'aime bien. Moi, j'adore faire les embellissements. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a, ça va être des cartes. C'est pas que j'aime pas faire les cartes, c'est que j'aime pas écrire. D'ailleurs, les copinettes qui reçoivent du courrier de ma part, elles doivent voir que j'aime pas écrire. J'écris pas grand-chose. C'est sûr que si je l'aurais, la copinette en face de moi, oui, je la blablabla, oui, ça, oui. Mais écrire, je suis pas fan d'écrire. Je préfère parler, moi. Je préfère m'exprimer de vive voix. C'est peut-être mon côté trop franche, trop rentre dedans. Peut-être. Voilà. Donc voilà les copines. Voilà ce que j'ai fait avec les restes des ronds. Et tout ça avec des rouleaux de PQ et des chutes de papier. J'en ai un autre. Voilà. Et des chutes de papier. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis bah allez, au boulot les filles. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.